Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va faire aujourd'hui, dimanche, une petite vidéo, un petit compte-rendu de la visite du diable au salon de l'agriculture, le diable Macron. Parce que là, si ce n'est pas une manifestation diabolique qu'il a fait hier, de mensonges et de tout ce qu'on veut, essayer de faire, on rejoue les grands débats, on relève, on est en bras de chemise, il a été très, très diabolique hier, je trouve, entre les CRS qui repoussent tout le monde et puis cette image que l'on veut donner aux Français de personnes, ben voilà, hein, qu'on a, hein, qui a peur de rien, qui y va. Ben, moi non plus, j'ai pas peur, hein, quand j'ai 500 CRS derrière moi, j'ai pas peur, moi aussi, d'aller... enfin bon, bref, mensonge, hein, pour ce qui est de... des soulèvements de la terre, il s'est fâché, mais ils ont bien été contactés par Pascal Quentin et Gabriel Attal, ils ont bien cherché à les contacter, donc voilà, il y a eu volte-face après de sa part, mais après il nous a parlé de l'Europe, hein, de ce qu'il allait faire et tout, c'est mis en place, c'est pas fait les amis, hein, mais pas du tout même, hein. Donc on va regarder aujourd'hui, je vais juste demander à mes cartes, je vais demander à trois jeux différents, eh bien, de me dire ce que Macron a derrière la tête. Voilà, hier, il a fait des propositions, hein, il est reparti, lui, content, il a l'impression qu'il a retourné tout le monde. Alors, mon grand oracle, tiens déjà, donne-moi donc un compte-rendu sur l'attitude de Macron hier au salon de l'agriculture, parce que là, ça vaut le détour, hein, sa journée. Alors, là, ils essaient de dire que c'est quelques-uns des extrémistes qui essaient... alors, la coordination rurale, hein, ils accusent d'avoir voulu mettre le bazar. Sa démonstration hier, elle était vraiment, mais enfin pour moi, très, très révélatrice de ce qu'il est profondément, de ce qu'il aime faire, de ce qu'il aime jouer, de ce qu'il aime, de sa manipulation. Pour moi, hier, ça a été extrêmement révélateur. J'espère que ben, beaucoup d'entre vous l'ont vu. On tombe facilement dans le panneau avec des gens comme ça. Voilà, il y a un refus là et un piège. Voilà, ça manifeste hier sa journée au salon de l'agriculture, un piège, face à un refus. Alors, mon grand oracle, parle-moi hier de la journée de Macron, qu'est-ce qu'il a cherché à faire hier toute la journée, est-ce qu'il a été sincère dans sa démarche? Je vais te tirer en croix, on va faire là, le contre, l'idée et la réponse. On va faire comme avec Marseille. Pour la première fois, on va changer. Alors, dis-moi. On va laisser parler les cartes, les amis. Ça va être beaucoup plus... qu'a voulu faire Macron hier au salon de l'agriculture? Quelle a été sa démarche? Voilà, on va faire comme ça. C'est lui qui va nous dire. Alors, là, on a affaire à... aux médisances, aux complots, aux gens en colère. Là. Les corbeaux, c'est les gens en colère, c'est de l'agression. Hein. Voilà, on est face à de l'agression ici. Là, eh bien, on prive. La sécheresse, c'est l'insuffisance de quelque chose. On prive, c'est une privation. On est avec la carte de Mercure, dans l'action, la communication, on prive. Dans l'idée, c'est la faillite. C'est la faillite, la ruine. Et là, du retard dans l'épreuve. Bon, alors hier, là, ok, mon grand oracle, j'ai bien compris, on est au salon de l'agriculture. Hein. Là, la colère, là, on prive, là, on est en faillite, et là, il y a du retard. Ok. Alors, après, parle-moi de l'invitation de Macron hier, de son attitude au salon de l'agriculture, face à la colère, pour la privation. Dans l'idée, c'est donc la ruine. Et dans l'idée, c'est de gagner du temps. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les amis, cette Macronie, et puis bah, tous les autres de l'Union européenne, et puis tous ces gens qui appartiennent à ce clan-là de Davos, là, leur but, là, actuellement, c'est de gagner du temps. Gagner du temps et surtout de gagner les élections européennes. Ils sont déjà partis en campagne. Vous avez vu hier comme il a attaqué plusieurs fois le RN, puisque c'est son plus gros concurrent, le RN, hein, Bardella, Marine Le Pen, etc. Alors, il a dit que Marine Le Pen voulait sortir de l'Union européenne. C'est faux. Moi, j'ai jamais entendu dire ça, mais bon.
Retrouver une certaine souveraineté, oui, mais sortir de l'Union, non. Donc, c'est hier, il était en campagne européenne également. Alors là, ce retard, ce report, c'est en gros, ça me dit que là, comme information, ils cherchent à gagner du temps. À gagner du temps, tous ces gens-là. Gagner du temps. Et de vous endormir en essayant de gagner du temps. Donc là, ils amènent un soutien, une aide. Alors, là, c'est la solitude de ces gens qui ne sont pas contents. Ils sont totalement isolés et pas contents. L'isolement, on a pu le voir hier. Là, la privation, dans l'épreuve, c'est la fatalité, hein. De toute façon, c'est la fatalité. Ici, c'est les souhaits par rapport à cette ruine. C'est les souhaits. Donc, les souhaits, c'est le soutien. Donc, on gagne du temps en donnant des soutiens, en faisant croire que l'on soutient. Alors, parle-moi, il y a deux. Là, le blé, c'est, ça me fait penser à l'Ukraine, là. On est avec les agriculteurs, hein, cette solitude, cet isolement. Là, le blé, c'est l'argent qui rentre, et là, je vois l'Ukraine. On va voir après, hein, je vais après. Là, dans l'idée, dans ce qui est contre, là, c'est qu'on veut quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas, puisque là, on est en contre. Là, dans l'idée, il y a un coup de chance, une aubaine de quelque chose. Alors là, j'ai la Vierge, un souhait. Là, il y a une aubaine. Et ici, dans le soutien, c'est quelque chose de très fragile, hein, très instable et très fragile, dans ce temps que l'on veut gagner comme ça. Donc, il donne un peu, il essaie de gagner du temps, et là, c'est quelque chose qui est de toute façon fragile. Quand il gagne du temps, qu'il croit qu'il a gagné, ça peut rechuter la semaine d'après, hein, c'est pas gagné complètement. Parle-moi de ce qu'est venu faire Macron hier au salon de l'agriculture. Là, on est sur notre chemin de vie avec ça. Ça me parle du temps présent tout de suite. Là, c'est prendre de la hauteur, observer, prendre de la hauteur. Là, c'est un souhait. On veut accomplir quelque chose. Et là, c'est l'intuition, marcher à l'intuition. Ah, ça, c'est formidable. Ça, cette réponse qui est là, là, c'est l'attitude de Macron hier, hein. Là, c'est les violences par rapport à ça, au blé, à l'Ukraine, au fait de se sentir avec le libre-échange qui est totalement inégal, le fait de vouloir imposer aux agriculteurs de ne pas cultiver, de ne plus cultiver, de laisser des terres en jachère, de diminuer la production pour importer plus, importer des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas les mêmes accords, hein, qui n'ont pas baissé les droits de douane. Donc là, c'est les démarches de la société que l'on veut contrôler. Et là, c'est quelque chose qui est mis à l'honneur, ok. Et là, c'est la stagnation, la passivité, ça bouge pas. En fait, c'est vouloir contenir quelqu'un, ça. Hein. Là, c'est les gens qui s'associent pour toujours manifester. Là, vous avez une ouverture, des propositions. Là, c'est vouloir échapper. C'est, voyez, vous dites à l'autre ce qu'il a envie d'entendre pour échapper. Et là, les obstacles qui sont là, de toute façon. De toute façon, il sera quand même face à des obstacles. Le projet. Là, c'est caché. On te cache quelque chose. Là, c'est une solution. J'en remets une, l'imprévu. On est toujours dans le nuage. Hein. Là, on est toujours enfermé. En fait, on est en prison. Là, on refuse quelque chose. Et là, c'est le relationnel. J'en remets une et c'est la dernière. Le château, c'est lui. L'invitation. Attendre. Et la mauvaise nouvelle. Eh bien, moi, je vous dis, les amis, que tout ce qui vous a raconté hier, c'est du crack. Le travail,
Il a dit là, vous voyez, on avance là dans le temps. Il a dit hier, après le salon, je vous réinvite. Je vous réinvite, hein. Donc là, ça arrive, là, son invitation. Les craintes, vous voyez l'invitation. Il a dit après le salon, on refait le point, je vous invite au château. Donc l'invitation, elle est là. Le château, il est là. Le travail, les craintes, toujours. Là, apporter, revenir à des choses plus sages. Et là, l'ascension par rapport aux mauvaises nouvelles, quelque chose qui progresse, quelque chose qui progresse. Quoi donc? La fin de quelque chose. Le combat progresse. Les gens ne sont pas d'accord. Alors, on fait le point, les amis, hein. Là, c'est tout ce qui se passe, l'agression et tout ça, tout ce qui, la forme, l'énergie martienne, agressive. Hein, donc, c'est la colère hier. Hein, donc, on n'est pas content. Bon, voilà. Le sentiment de se sentir isolé, tout ça, par rapport à tout ce qui est céréales, machin, l'Ukraine, les pays étrangers, le blé, etc. L'argent que ces gens-là gagnent. Et puis, voilà. Donc, là, c'est ce qui se passe actuellement. Les violences, l'association pour ces violences, on refuse ça. Donc, là. Proposition de projet et naissance de projet nouveau, ce qu'il a eu hier, ce qu'il a proposé, ça de toute façon, ça n'empêchera pas les épreuves et tout ce qui va se passer. Là, c'est le château, le travail, les activités des Français, l'hiver, là, on arrive à la fin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a en contre? En contre, là, c'est qu'on est privé de quelque chose. Il y a quelque chose dans l'épreuve qui est l'ordre d'inévitable. Le bourgeon, c'est commencer quelque chose de nouveau, vouloir commencer quelque chose de nouveau. La tour, c'est prendre de la hauteur pour voir, observer comment on peut, eh bien, maîtriser cette organisation et ces démarches de la société qui se produisent actuellement. Là, on amène quelques propositions, quelques ouvertures. Ça n'empêche pas qu'on est face à l'adversité qui se sent de toute façon toujours prisonnier. On invite à la discussion parce que on a des craintes et là il y a une notion de fêter, inviter, recevoir, voyez. Donc par rapport à ça, c'est j'en mets une sur la fête là, sur l'invitation et les craintes, on arrive, on donne une notion. Pourquoi ça, c'est de la trahison en fait. Là, on te berce. Vous voyez, la privation, il y a quelque chose d'inévitable, une fatalité. Là, on veut recommencer quelque chose de nouveau. Ils observent l'organisation, les démarches de la société, ils essaient de gagner du temps, ils apportent quelques solutions, des propositions. Ça n'empêchera pas les gens de ne pas être contents, de se sentir prisonniers de quelque chose. Là, on invite encore à discuter parce qu'on a des craintes sur des choses. Vous voyez, le côté vin, c'est le côté réception, vous voyez, te recevoir et comment dire, autour d'un verre de vin, comme hier, avec autour de son verre de bière. Là, c'est la trahison. De toute façon, cette invitation, c'est une trahison. Ce n'est pas quelque chose qui t'amènera quelque chose de bon. Donc, on voit là que malgré ce qu'ils font, il y a toujours cette adversité parce que on voit que ce qu'ils font, ces propositions sont, il y a la trahison dessus. Dans l'idée, le pays va à la ruine. Il y a des souhaits, il y a quelques aubaines, il y a quelques exaucements de souhaits. Ils réalisent tout de même quelques souhaits, les autorités, parce que ils veulent absolument sortir de ça. Vous voyez, ils veulent, comment dire. Quand vous les mettez face à ce qu'ils font au niveau de l'Europe et ce qu'ils font aux agriculteurs, eh bien, quand vous voulez sortir d'une situation, eh bien, voilà, vous donnez un petit peu et puis vous dites, bon, c'est bon, voilà. Donc là, le fait de vouloir échapper à ça et de donner, exaucer quelques souhaits, c'est pour sortir d'une situation, parce que de toute façon, vous cachez d'autres choses. Cette carte, la forêt, dissimule. Là, l'âne dit non. L'âne persévère, avec la pêche dans l'esprit, on persévère. On veut revenir à des choses plus sages qui sont des choses que l'on avait dans le passé. On veut obtenir des choses que l'on avait dans le passé. Donc en fait, c'est revenir à des choses. Moi, quand je vois ça, c'est revenir par rapport à la France, à une
plus une certaine souveraineté par rapport à l'agriculture. Quand je vois ça, moi, je vois ça. Là, ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps. Gagner du temps. Donc, on amène un peu de soutien pour gagner du temps. Ce soutien-là, de toute façon, est quelque chose de fragile. Ça peut péter de toute façon. Mais c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il ressent. Et là, pour lui, il agit à l'instinct, ce qu'il a fait hier au salon de l'agriculture. À l'instinct, bah écoutez, ils ne sont pas contents. Allez, amenez-moi-en quelques-uns. Je vais relever mes mains, je vais faire le genre grand débat et puis on va parler. Du coup, effectivement, il a parlé, il a imposé, parfois de façon, pour moi, que je trouve un peu de l'autoritarisme. Hein, quand il est là, il a piqué une ou deux colères où non, je n'ai pas invité les soulèvements de la terre. Non, on ne doit pas sortir de l'Europe. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez qu'on parle, mais en même temps, vous gueulez. En même temps, vous détruisez. Comment voulez-vous que je parle? C'est du Macron tout craché, ça. Hein, c'est de la manipulation. Donc là, ça, une situation qui, de toute façon, va s'enliser parce que les difficultés sont là et les gens sont face à des obstacles qui continuent. Il y a des solutions à ça. Il y a des gens qui sont là, qui ont des solutions. Là-dessus, on aura de toute façon, dans cette épreuve, on va avoir de mauvaises nouvelles. Quelque chose prend de l'ampleur, progresse. Ce qui progresse, c'est cette combativité qui est là, qui reste là, malgré tout. Mon grand oracle, je vais te demander de en mettre 3 au milieu du jeu. Mets-en 3 au milieu du jeu. C'est ta conclusion. De l'attention. Là, les lunes qui viennent, là, dans le mois qui vient, il y a du litige. Là, pour ce mois de mars, voilà les cartes que je tire pour le mois de mars. Ça, c'est la conclusion de mon jeu. De l'orage, là, dans la lune qui vient, ça veut dire de un jour à un mois. C'est donc pour le mois de mars, puisque la lune était hier. Aujourd'hui, là, on a une carte d'agression, de litige. Il y a des choses qui sont dans la balance et on va devoir régler des choses qui sont dans la balance. Ça ne s'arrête pas. Vous voyez ? Merci beaucoup mon grand oracle, j'espère les amis que ben, mon jeu vous aura éclairé et fait avancer un peu. C'est pas évident hein, ce genre de prédiction, mais en tout cas ce sont les cartes qui le disent. Je vais continuer juste là avec le Béline et demander au Béline la conclusion, mon Béline, de l'attitude de Emmanuel Macron hier au salon de l'agriculture. Parle-moi des agriculteurs et de ce qui se passe après. Éclaire-moi sur l'attitude de Macron hier au salon de l'agriculture. Les jours à venir, les jours à venir par rapport au salon de l'agriculture, puisque là, oui, c'était les jours à venir avec mon grand oracle. Hein. Il m'expliquait un peu le topo, en gros. Hein. Les jours à venir, s'il te plaît. Et si tu peux me parler de Macron et de son attitude hier, tu peux aussi. Alors, les jours à venir, là, Macron, la politique, les agriculteurs, etc. Là, on est sur un... La carte 1, notre carte de destinée, notre destin qu'on a en main. Et là, on continue dans le relationnel, les discussions. Là, on est, quand je vois cette carte, la table, on est sur des... Se mettre à table, s'inviter, se recevoir pour discuter. Pour discuter de notre destin. Enfin, je parle des agriculteurs. Et puis, oui, des Français en général. Alors, mon grand oracle, parle-moi de la suite du salon de l'agriculture de Macron. Dis-moi ce que tu penses de ça. L'attitude de Macron hier au salon de l'agriculture. Parle-moi de l'attitude de Emmanuel Macron au salon de l'agriculture hier, son attitude. Dis-moi la vérité, mon grand oracle. Tu veux venir, toi? Tiens, bah écoutez, on va la laisser là, elle veut venir. Parlons-moi de l'attitude d'Emmanuel Macron hier. La maladie. L'accident. La découverte. La trahison. Et la fatalité. Ben, je crois qu'on a tout dit, les amis, là. Hein. La maladie, c'est une carte de lune. La lune, c'est le mental, hein. La maladie là-dessus. L'accident, c'est l'agression.
C'est ce qu'on ne veut plus, c'est ce pourquoi hier ils étaient en colère et qu'ils sont en colère en fait. Hein. Là, c'est quelque chose, voilà. La découverte, là. Alors là, c'est l'esprit toujours. Hein. Dans la découverte, on découvre la trahison. Hier, ça veut me dire que ce qu'il a dit hier, avec ses accords de libre-échange et l'Ukraine et les élections européennes, il a un peu cassé le RN, son comportement, son attitude hier est une carte de trahison. À la fin, on tire la fatalité de toute façon. Et là, il s'enferme dans son cloître, là. Il s'enferme. Il est derrière. Il n'est pas dans le monde. Vous voyez, il divise le monde en deux. En fait, le cloître, c'est protégé derrière. Il protège une caste. Et derrière, vous voyez, il ferme les grilles. Hier, il est venu vous faire une très belle démonstration de Macronie. Mais c'est pour protéger et couper en deux. On divise quand on fait comme ça avec le cloître. Cette carte qui a voulu venir là. Vous voyez? Voilà, hier, je vous raconte, eh ben, tiens, voilà la journée d'hier. La journée d'hier. Alors, on va recouvrir, les amis. Hein. Parle-moi du salon de l'agriculture hier, de Macron. Qu'est-ce qui se passe? Là, sur cette maladie-là, eh bien, le bonheur, c'est vous apporter. Il est venu. Ça, pour lui, ça a été un succès. Pour lui, c'est une réussite. Cette carte-là, c'est une carte de réussite. Là, l'accident, eh bien, c'est toutes ces réunions, etc. Sur la découverte, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Sur la trahison, il y a le départ de quelque chose. Et sur la fatalité, c'est se protéger, se mettre à l'abri de quelque chose. Vouloir se mettre à l'abri. Alors, ok. Maintenant, dis-moi, mon grand, mon Béline, la suite. La suite. Parle-moi d'Emmanuel Macron, la suite avec les agriculteurs. Les agriculteurs, la suite. La naissance de quelque chose de nouveau. Un procès là-dessus. Vous voyez, ces réunions et tout, ce qui arrive et tout, il y a un procès là-dessus. De toute façon, là, sur quelque chose qui prend de l'ampleur et qu'on découvre, là, on travaille. On travaille en ce sens-là. Hein. On travaille en ce sens. Sur la trahison, il y a le départ de quelque chose encore. Hein. C'est comme si là, après cette découverte-là, ben, écoutez, on prend conscience encore une fois. Eh bien, le débat reste passionné. Hein. On tire notre coq qui est toujours passionné. Et là, regardez sur la fatalité, là. Sur la fatalité, se mettre à l'abri de quelque chose, c'est pour vous soumettre. Ça, c'est une soumission, c'est pour que vous restiez figé. C'est pour... la carte des despotismes, c'est ce que fait le diable sur l'être humain. Donc, l'épreuve, là, il y a une fatalité. Les pénates, c'est se protéger. Et là, c'est vouloir vous soumettre. C'est fou, hein. La suite, s'il te plaît, mon Béline. La suite. Du retard, du soutien et de l'embrassement. Retard, soutien et de l'embrassement. Donc là, il va peut-être y avoir une période d'accalmie un peu. Mais il y a du soutien toujours. Du soutien toujours. Les gens sont solidaires toujours entre eux. Et l'embrassement qui revient. Donc, on va peut-être avoir une période d'accalmie. Mais de toute façon, les gens vont se rendre compte de la trahison. À la fin, là, il y a quelque chose d'inévitable. Parce que là, hier, c'est une belle trahison. C'était une belle démonstration de mensonge. La trahison, là, c'est toujours la négociation. Et pour parler houleux par rapport à ça. Donc, il y a une période d'accalmie. Mais de toute façon, on continue un peu, là, dans les négos, etc. Il y a toujours les pourparlers houleux. Ça reste là. Il y a une réussite là-dessus. Il y a une réussite. Merci beaucoup, mon Béline. Alors, je vais juste demander à mon Marseille les jours à venir. Parle-moi des jours à venir. Les jours à venir, là, en France, avec les agriculteurs, avec... Parle-moi des jours à venir, qu'est-ce qui se passe?
Alors, les jours à venir, on va demander, eh bien, je ne vais pas demander l'état d'esprit des Français, je vais demander la politique et les Français. Hein. Alors, les Français, ça comprend les agriculteurs, ça comprend tout le monde. Hein. Macron et les Français. Hein. Les jours à venir, entre Macron et les Français, qu'est-ce qui se passe? On voit bien, hein, avec le Bélin, cette dernière carte de despotisme, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'il a fait hier. Hier, dans son genre grand débat, je relève les manches. Après, derrière, vous ne voyez pas, évidemment, tous les CRS qui retiennent les agriculteurs dans le fond et tout ça. On ne voit pas toutes les insultes et tout, quand les agriculteurs disaient des missions, etc. L'information est dirigée, hein. L'information n'est pas... Alors, qu'est-ce qui se passe là pour les jours à venir? Là, le pape, on n'est pas dans un enseignement de sagesse et de vertu. Là, quand le pape est retourné, de toute façon, on est sur une situation qui reste instable. Là, on veut remettre de l'ordre. Ça, c'est ce qui va contre en ce moment. Ils veulent remettre de l'ordre, là. Là, il y a des annonces qui sont faites. Et là, il y a une situation qui reste bloquée. Qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir entre les politiques et puis les Français? Là, il y a quelque chose là qui se passe. La maison Dieu est renversée. Là, c'est de la colère. Hein. C'est de la colère qui arrive. Donc là, on veut remettre de l'ordre. Et lui veut s'imposer, remettre de l'ordre. Là, lui, c'est lui qui sort, là, Macron. Hein. Macron veut s'imposer, remettre de l'ordre, là. Donc, on s'impose avec la loi, avec les forces de l'ordre, avec tout ça. Hein. Là, il est là, il veut s'imposer. Il est contre, là. Là, c'est des choses qui ne sont pas vertueuses, un enseignement qui n'est pas juste, qu'on ne veut plus. Et là, la maison Dieu est renversée. Donc, là, dans l'idée, c'est faire des annonces pour essayer de remettre de l'équilibre. Essayez. La tempérance est une bonne carte, hein. C'est une transmission, c'est les choses qui vont lentement, hein. ça va, c'est amener du réconfort, essayer de retrouver de l'équilibre. C'est un ange qui veut rendre les choses plus harmonieuses un peu. Là, on est dans l'action. Avec le chariot, on est dans le succès, on est dans l'action. Là, c'est des imprévus. Là, pour moi, c'est des manifs. Hein. Imprévus, coup du sort, instabilité dans le pays, blocage dans le pays, la chute de quelque chose. Là, la papesse, elle est renversée. Donc, il manque d'intuition. La papesse, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est la patience, c'est la richesse intérieure. Et puis, c'est aussi la carte des secrets. Donc là, en contre, on a lui qui veut mettre de l'ordre. Là, c'est... Là, vraiment, là, on le voit, on l'a vu sa démonstration hier, hein. C'est ce qu'il a cherché à faire. Là, c'est la papesse, c'est des choses qu'on ne veut pas te dire, c'est des choses qu'on cache. Là, l'impératrice, c'est pareil, vous voyez, là, vous avez l'impératrice et lui, ils se regardent. Au milieu, vous avez la justice. Dans l'idée, là, l'impératrice, ça peut être la blonde là-haut, hein. Ils se regardent, ils marchent ensemble, hein. Ils sont d'accord. Là, c'est la femme de pouvoir, c'est la communauté européenne. Il y a des chances que ce soit... On parle de l'agriculture, là. Là, c'est quelque chose qui est pas bon du tout. C'est la lune renversée. Donc, on se replie, là. On cache des choses. On cache des choses. On est dans une situation qui n'est pas bonne. Là, tous les deux se font face. Hein, c'est marrant, hein. Alors, attendez, il faut que je recouvre. J'espère que c'est la blonde qui fait face, là. Parle-moi de la situation en France, là, dans les jours à venir. Là, il y a une rupture. Il y a une rupture avec le peuple. Conversation, discussion. On va devoir faire des choix. Ce qui va en contre, c'est qu'on essaie de parler, de convaincre, d'amener une information. Eh bien, c'est bien la blonde de l'Europe. Là, je tire le diable. Donc, on est bien là, face à des personnes qui sont diaboliques ici. Là.
Et tout à l'heure, je tirais le despotisme. Leur but, là, et on voit bien ce qu'il a fait hier, leur but est d'endormir les gens pour continuer à les garder dépendants des choses. Le but du diable, là, c'est le despotisme. Hein, c'est exactement la même carte que cette carte que je vous ai tirée tout à l'heure avec le Béline. Cette carte-là, c'est la même chose que ça, en fait. Hein. Alors, il est où, lui? Il est où, mon despotisme? Ça va être la dernière. Ah, voilà. Vous voyez, cette carte, c'est la même chose que ça. Voilà. Donc là, c'est bien la blonde de l'Europe, hein, la Vendée, machin. On a bien le diable là-dessus. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà la démonstration hier de Macron. Voilà la démonstration de l'Europe avec son libre-échange et ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. C'est bien. Et vous avez bien cette carte qui correspond bien à ça. Voilà ce qu'ils cherchent à faire. Et là, en réponse, j'ai le monde qui est renversé. Donc là, c'est les hostilités, les imprévus. On ralentit les choses. Les obstacles. Là, le monde est contre. Les gens sont contre. Le travail, là, le battleur est renversé. Donc, quand le battleur est renversé, on est sur des mensonges. Et on est aussi sur des violences, hein, des blocages, des violences, la maladresse et des mensonges. Là, les voilà là. Voilà l'Europe. On essaie d'imposer. Vous avez lui, vous avez elle, vous avez le diable. Et là, les mensonges. Bon, bah, écoutez, les amis, je crois que c'est clair. Dans le présent, là, vous avez les choses pas vertueuses. Là, la maison Dieu renversée, les imprévus, et là, la rupture avec la mort inversée. Bon, ben pour moi, c'est très clair. Hein. Voilà les jours à venir, et voilà les intentions de nos dirigeants en ce qui concerne l'Europe et puis la France. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vais arrêter là pour ne pas faire une vidéo trop longue. Voilà les jours à venir, j'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye les amis, à bientôt!